Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. À l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. River Plate qui va donc jouer avec deux attaquants. Ah, mais c'est le système tactique de l'âge d'or du football anglais. Bon, il devient de plus en plus rare malheureusement. Tout se perd, qu'est-ce que vous voulez. Alors là, soit vous jouez le bon vieux kick and rush, soit vous vous appuyez sur vos latéraux. Dans ce cas-là, l'idée n'est pas seulement qu'ils montent pour centrer, mais qu'ils occupent bien le L. Et c'est parti! Et notre réalisateur s'attarde sur Lionel Messi et est difficile de lui reprocher. On attend forcément beaucoup d'un joueur aussi talentueux. Vous savez, Grégoire, les stats et le palmarès, ça c'est une chose. Mais c'est quand on est au stade et qu'on peut le voir jouer de près qu'on se rend réellement compte de tout son talent. Et c'est vrai, Darren, qu'on a eu la chance, le privilège tous les deux de voir, de commenter un grand nombre de ces matchs. Et à chaque fois, on a passé un immense. La frappe! Pas de chance sur ce coup! C'est bien, la passe à 10, il faut essayer d'être plus dangereux. Il choisit le côté gauche. Bien, la profondeur. Une occasion! Il l'a vu. La frappe! Ça va au fond! Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. Oh oui, super tir! Marcó en el minuto 10 el dorsal 21. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Bien joué, il fallait jaillir. Toni Kroos. Hakimi. De Paul. River Plate, qui rêvait bien sûr d'un tout autre scénario. C'est toujours plus compliqué quand on prend un but en début de match comme ça. La passe dans la profondeur. Il a du champ sur le côté. Il y a peut-être un coup à jouer. Il tente sa chance. Ça rentre. Et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes. Intelligence dans la finition. Gol. Marcó en el minuto 18 el dorsal 24.
Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. De Paul. Ils obtiennent un coup franc. Il avance bien. Le bon dribble. C'est bien donné. Il est passé. Il y va. Oh, le gardien est là. La classe. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Il allonge le jeu. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Suarez. Dans la profondeur. Oh, ça peut être bon. Oh, la frappe. Oh, le but. Bien sûr qu'il en était capable. Voici son premier but pour son nouveau club. C'est une contre-attaque parfaite. Ils se sont bien projetés à la récupération du ballon et ils sont allés au bout. Gol del River Plate. Marcó en el minuto 29 el dorsal 21. Ils engagent et ils n'ont plus qu'un petit but d'avance. C'est un tout autre match qui commence maintenant. Ils sont en train d'inverser le tendance. Et c'est intercepté. C'est joué long, c'est dangereux. Ça joue long. C'est bien donné. Allez, ça peut faire mal. Va-t-il en profiter? Toni Kroos. Il frappe. Oh, la main ferme. La parade spectaculaire. Ah oui, ils sont déçus. Ils pensaient bien que ça allait au fond. Et voici le premier corner de cette rencontre. Le corner est joué court. Ça peut faire mal. Il est allé au bout de son action. Bien joué. C'est dommage, c'était très bien fait pourtant. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Son Krasine. Et ce sera leur deuxième corner dans ce match. Alors qu'en face, ils n'en ont pas eu un seul. C'est joué court à deux.
attention avec les tacles. Son Krasine. Il est bien trouvé. Oh, l'inspiration! Et oui, but! Je le sentais venir, celui-là, je vous le jure. Il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Mais c'est le joueur à marquer de près. Un attaquant de ce calibre, si vous lui laissez une chance de briller, eh bien, il vous le fait payer. Ça, c'est sûr. Marco, en el minuto 43, el dorsal 22. Les revoilà dans le match. Ce but pourrait bien les relancer dans ce match. Ils vont certainement chercher à faire basculer le score. C'est bien défendu, il faut dire. Messi. Et il le dépossède du ballon. Il y avait mieux à faire là. Le contre était super bien amorcé. Ça avait suivi. Dommage. Il peut y aller. C'est repoussé. Oh, quel arrêt! Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Il tente de la jouer dans l'espace. On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. River Plate qui va pouvoir regagner le vestiaire et souffler après cette période riche en buts et surtout en frissons. Voilà donc à la pause, le score est de 2-2. La seconde période est maintenant lancée. Les deux équipes se neutralisent jusqu'ici, mais rien n'est joué. De Paul. Qui est le premier sur ce ballon? La bonne passe. Oh, il faut frapper. La tentative! Ce ballon bien dosé, c'est joué dans la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Il est bien placé. Hakimi. La bonne passe. Voici De Paul. Toni Kroos, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Ouais, c'est bien battu. Ballon récupéré. Voilà un marquage très agressif. En même temps, vu sa passe sur le but, c'est normal. C'est Messi qui centre.
la bonne montée du défenseur. C'est intercepté, attention. Ballon perdu. C'est joué dans la profondeur. La frappe, attention! Oh, mais quelle parade! Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Ah, c'est joué court. Danger écarté, ça repart. Attention, la roue tourne. La longue passe. Il y a peut-être un coup à jouer. Il a sans doute un peu trop temporisé. C'est dommage. Il avait des coéquipiers qui demandaient le ballon. C'est joué long. C'est bien fait, ça. Il tire. Et il marque. Ils reprennent l'avantage. Tout seul dans la surface, l'issue était presque certaine. La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Goal! Marco, en el minuto 69, el dorsal 17. Ils ont pris l'avantage, il faut continuer maintenant. Hakimi. Oh, Messi! Oh, Luis Suarez! En retrait vers son gardien. À droite. Renversement de jeu de l'autre côté. Il relance côté droit. Là, il cherche à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Et bon contact, c'est récupéré. Oui, ça peut être dangereux. Le jeu repart vers la droite. C'est joué dans l'espace. La passe est précise. Bien joué, ça. C'est récupéré. Ça peut être extrêmement dangereux. Il cherche la profondeur. Le bon dribble. Dans l'axe. Quelle occasion, attention! Le soutien derrière lui. Oh, le bon ballon! Allez, il ne faut pas baisser les bras. Ils n'ont qu'un petit but de retard. Non, ça manque d'application. C'est joué long. Attention! C'est vraiment dommage. Il manque toujours un petit quelque chose. Bien vu. C'est intercepté. Oui, très bonne anticipation. C'est récupéré. Allez jusqu'au bout. Et c'est au fond. Ils ont pris les risques. Ils sont récompensés. Que c'est beau. Quelle transition formidable. Dès qu'ils ont récupéré le ballon, c'est vraiment allé très vite. Bravo. Gol del River Plate. Marco en el minuto 88. El dorsal 99.
va assister à un changement. Oui, il a beaucoup donné dans ce match et c'est bien normal de lui permettre de souffler un peu. Et voilà, ils reviennent à la hauteur de leurs adversaires dans les dernières minutes. Il concède un coup franc. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Messi. L'interception au bon moment. Habrá dos minutos de descuento. On vit là les derniers instants de cette rencontre. À droite. Il reçoit le ballon. Il est passé. C'est joué en retrait. Il choisit de centrer. Faut tirer là. Ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Au match nul, d'accord, mais on a vraiment envie de dire merci à ces deux équipes. C'était un véritable festival de jeux offensifs aujourd'hui. Quel régal, vraiment. Les joueurs ont fait preuve de maîtrise et de retenue dans cette rencontre. Personne n'a été averti par l'arbitre. Alors, que retenir de cette rencontre, Darren ? C'est un match nul, c'est certain, mais il y a du positif à en tirer. C'était une soirée comme on les aime, avec du beau jeu et en plus les commentaires de Darren pour analyser tout ça. C'était magnifique. Merci à tous et à très bientôt. Merci à vous, mon cher Grégoire.
Ah!